Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour Jean-Robin. Merci de nous recevoir chez vous donc pour Enquête et Débat. Alors nous connaissons votre méfiance envers Internet, donc c'est d'autant plus apprécié. Le fil rouge de cette interview sera la liberté d'expression, si vous en êtes d'accord. Mais avant cela, une question sur votre livre, votre dernier livre, celui qui vient de sortir il y a quelques mois. On serait tenté de dire, enfin je serais tenté de dire, encore un livre sur la Shoah, sachant que vous avez pu vous exprimer à de nombreuses reprises sur le fait que peut-être qu'on en faisait trop sur la mémoire, notamment du génocide des Juifs, et que cela pouvait accélérer l'antisémitisme plutôt que de le freiner. Il ne s'agit pas d'un livre de moi, il s'agit d'une réunion, une collecte d'émissions sur France Culture. Et mon éditeur, François Azouvi, a constaté en effet que ce thème était un des sujets récurrents et il a trouvé judicieux, donc, de publier ce volume. Il est vrai, et je le dis dans ma préface, que j'étais un peu gêné, un peu réticent, justement à cause de cette exaspération que je sens poindre à l'égard de la mémoire de cet événement, des dépositaires de cette mémoire et de cet événement lui-même. Simplement, je crois que il faut savoir aussi résister à ce chantage, même si parfois il s'agit d'un chantage intérieur. Je trouvais utile et fécond que la conversation que j'ai eue avec Daniel Mandelson sur ce livre si beau, Les Disparus, ou que ma conversation avec Gita Sereni puisse connaître le destin d'un livre. Et voilà ce qui m'a décidé. Mais nous vivons dans un climat extrêmement lourd, où on a peine à parler de ce qui par ailleurs vous hante, de peur d'alimenter cette irritation dont les Juifs font aujourd'hui l'objet.